Parce que les gens sont plus ouverts et donc il y a moins cette chose de « je suis un garçon, je fais de la danse, donc j'aime les garçons ». J'ai commencé la danse à 9 ans et donc c'est à partir de là que j'ai été donc à l'école à Anvers, vers 11 ans ou 12 ans, enfin en première secondaire. Et puis c'est en troisième que j'ai rencontré Lucas. Parce que en fait, j'ai été faire une audition grâce à mon école de danse. J'ai été faire une audition pour un rôle dans le film, pour jouer dans la classe de Lara. Et c'est là que Lucas m'a demandé de faire l'audition pour le premier rôle. Je moet nu een beetje in het nu zijn, een beetje genieten van het nu. Een beetje vrouw zijn nu. Je bent nu een vrouw. Dat is leuk. Toch? Ik zie een leuke, mooie vrouw. Wat verwacht je dan van die behandeling? Wat gaat dat veranderen? Het uiterlijk. Mm-hmm. Ga ik borsten krijgen en zo. Kijk je naar uit om borsten te krijgen? Lara, elle veut juste... Je pense qu'elle veut juste se voir comme une femme, voir son corps totalement femme. Et donc, elle veut pas passer par l'étape être un exemple pour les autres, mais plus être dans la norme, en fait. D'abord, je me suis préparée physiquement, avec les pointes, les extensions, la femme avec qui j'ai travaillé ma voix, pour que ce soit plus féminine, les essais de maquillage. Et en fait, on a d'abord tourné les séances de danse. Donc ça, déjà, ça m'a beaucoup aidée, tout ça, parce que la danse, c'est quelque chose que j'avais déjà pratiqué, parce que j'avais jamais fait de théâtre ou de cinéma. Et donc c'est en faisant les scènes de danse que ça m'a un peu changé physiquement. La façon dont je dansais était différente grâce aux pointes. Et donc forcément après, j'étais différent avec les autres gens. Et donc c'est vraiment quand on a commencé à faire les scènes de jeu avec le père par exemple. Dans chaque scène, on avait quelque chose de spécial avec le père qui se passait. Et c'est ça qui était intéressant parce que Lucas voulait vraiment que ce soit très réaliste entre les deux et que la relation entre Lara et son père soit très forte. C'est quoi, j'ai fait? Ah, pourquoi tu rigoles? Bah, parce que tu te gênes pas quand il s'agit de moi, quoi. Bah oui, mais je trouve ça un peu gonflé. Je trouve ça un petit peu gonflé. J'ai jamais dit que je tombais amoureuse de garçon, en plus. Ah bon? C'est nouveau, ça. Ouais. Quoi, t'aimes les filles?